Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance d'abdos, ta nouvelle routine hebdomadaire que tu vas pouvoir faire 2 à 3 fois par semaine parce qu'on est maman, on n'a pas le temps. Mais on prend quand même le temps pour sa santé. Regarde, on fait quelques petits étirements. Je t'ai concocté 5 exercices qu'on va faire debout pour travailler son ventre, raffermir donc le transverse et puis faire surtout attention à son périnée. Il n'y a pas de saut, non, on ne sera pas au sol non plus, non, non, tu vas voir, ça va être super. Et en plus de ça, je t'ai préparé des poids parce que ce sont des exercices que tu vas pouvoir faire avec ou sans poids. Et après la séance, tu pourras te régaler avec des super cookies bananes. Tu peux télécharger la recette, elle est sous le lien de cette vidéo. Tu vas voir, c'est délicieux. Alors, on y va pour le premier exercice. On va placer les pieds largeur bassin, fléchir légèrement les genoux, baisser les épaules, inspirer par la poitrine, souffler, rentrer donc le ventre, rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, inspire et souffle. Voilà, donc dans cette position, quand on va inspirer, on va gonfler la poitrine, on va souffler, on va pivoter sur le côté. On inspire, on revient et on souffle. On garde bien les épaules basses. Inspire, souffle, encore. Prends le temps, surtout si tu fais cette séance et que tu viens de te lever. C'est possible ça, oui, oui, oui. À 5h du matin, après le jus de citron. Non, je plaisante. Allez, on n'oublie pas de respirer, regarde, inspire et souffle. Inspire, souffle. On en fait encore quelques-uns. Tu vas voir, après on va prendre un poids, on va prendre une kettlebell. Mais c'est pas obligatoire, tu peux aussi prendre une bouteille d'eau, un halter ou rien du tout pour démarrer. Regarde, je te montre le deuxième mouvement. On va placer les pointes de pied sur les côtés, fléchir un petit peu les genoux, inspirer. Toujours souffler, rentrer le nombril. Et ici, hop, super, on incline la taille. Génial, garde bien le dos droit. Les pecs vers l'avant, les pierres, ouais, bosse tes abdos comme ça là. Génial, encore. Super. Je vais te mettre la description des mouvements après en dessous de la vidéo. Comme ça, tu pourras refaire ces mouvements sur ta playlist de musique préférée. Ça, c'est cool ça. Allez, encore un petit peu. 4, 3, 2. On va changer de mouvement. Regarde. Monte les genoux, souffle, souffle, souffle. Tu souffles quand tu montes le genou, ok? Inspire par la poitrine, rentre bien le nombril. Ok? À ça, tu vas rajouter ici les mains derrière la nuque, les coudes sur les côtés, et puis on va pivoter la taille. Regarde, sur le changement de musique en plus, c'est super. Souffle, souffle. Souffle, souffle, chut, chut. Ok, regarde, je change de mouvement, tranquille, regarde. Ici, tu vas essayer de toucher la pointe de pied. Même si ce n'est pas possible, tu peux toucher le genou, d'accord? Ou la cuisse, ok? Ici, le but de l'exercice, ça va être de souffler quand tu tends la jambe vers l'avant, ok? Voilà, ici, on travaille le transverse. Souffle, rentre le nombril. Chut, encore. Souffle, pause. Si tu tends pas la jambe complètement, c'est pas grave. On n'est pas dans une compétition, ok? Le principal, c'est de faire attention à son corps, d'écouter son corps. Ok? Allez, on en fait encore 4, 3, et on va changer d'exercice. Super. Regarde, le 5e exercice, il est tout simple, mais par contre, il te faut un petit peu d'équilibre. Donc, si tu n'as pas d'équilibre, tu peux te tenir à une chaise ou une autre de l'autre côté. Moi, je mets mes bras comme ça pour avoir l'équilibre. Donc ici, tu souffles quand tu montes le genou, pointe de pied devant, pointe de pied derrière. Tu vas voir qu'on travaille en même temps le fessier. Souffle. Et après, sur ce mouvement-là, on va pouvoir rajouter des lestes. Oui, oui, oui. C'est pas obligatoire, hein, mais ça permet d'intensifier le travail. On change de jambe. Regarde, souffle. Inspire, souffle. T'as vu ça là? Magnifique danseuse.
Dis-moi en commentaire si t'as fait de la danse quand t'étais petite. En général, les mamans nous inscrivaient tout à la danse. Moi, j'ai arrêté à l'âge de, je sais plus, 10 ou 11 ans. Parce que j'ai fait jazz, danse moderne, classique. J'ai fait la danse des filles aussi, avec le tutu et tout, les paillettes. Allez, on s'arrête, on boit un petit coup. On va pouvoir mettre les lestes et prendre les kettlebells si tu en as. Et là, on a déjà fait une série, t'as vu, c'est hyper rapide. Hein, parce qu'on est maman, on n'a pas le temps. Ok. Et l'objectif, c'est de pouvoir refaire ces exercices régulièrement. Hein. On sait que ça va pas nous prendre beaucoup de temps, donc du coup, on est motivé, hein, parce que on n'a pas que ça à faire. Hein. Allez, on met les lestes. Si t'en as pas, tu peux les acheter chez Action, Decathlon, Amazon. Et si tu sais pas lesquels choisir, je te conseille de prendre avec des petits sacs de sable que tu peux enlever en fonction de l'intensité des exercices. Ok ? Alors ici, tu peux préparer donc les kettlebells aussi. Sur le premier mouvement, donc on était pied largeur bassin, inspire, souffle entre le nombril. Toujours important ça. Voilà, donc tu vas placer la kettlebell ici devant, inspire. Et sur le souffle, inspire, souffle. Grandis-toi. Épaule basse. Inspire, souffle. Essaye de bloquer ton bassin. Je sais, c'est pas évident. Inspire, souffle. Ici, on travaille le transverse et les obliques. Inspire. Allez, on en fait encore 4. Là, ça compte pour 1. 2. Allez, 3. Allez, le dernier, inspire. Laisse bien les épaules. Génial! Sur le mouvement suivant, ici. Squat sumo. Tu te souviens, au début, on a fait les deux côtés. Là, ce que je te propose, c'est de garder le kettlebell d'un côté et juste de travailler l'oblique droit pour le moment. 4. 5. 6. 7. 8, allez, tu m'en fais encore 8, pointe deux pieds vers l'extérieur, t'as vu? Ok, super. 4, 3, 2, on fait de l'autre côté, on y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bon allez, on en fait encore 8, c'est parti. Allez, souffle. Et... C'est bien. Allez, allez, on lâche rien. Super. Les deux derniers. Génial. Le mouvement suivant, c'était le genou. Alors là, on n'a pas besoin des kettlebells, tu vois. On a déjà des lestes au niveau des chevilles. Souffle, inspire. Souffle, inspire. On va un peu plus lentement que dans la première série, puisque là, en fait, on a des lestes aux chevilles. Faut pas faire n'importe quoi. Si t'as pas de lestes au niveau des chevilles, tu peux accélérer le mouvement. Ok ? Encore. Souffle, inspire. Souffle, inspire. C'est bien. Rentre le nombril. Petit changement de musique. Et du coup, on va changer aussi de mouvement. Tu te souviens ? C'était celui-là. On va un peu plus lentement parce qu'on a des poids. Souffle et pose. Et si tu peux, tu essayes de toucher. Donc, soit le pied, soit la cheville, soit le genou, soit la cuisse. Si c'est trop compliqué, tu gardes en mode genou, ok? On travaille quand même le transverse, pas de soucis. Ça donne envie de faire... Je m'emballe. Je t'ai mis de la musique gay pour te montrer qu'on peut faire du sport aussi de façon ludique. C'est bon pour toi pour ce mouvement? Ok, le dernier. Génial. Ici, mouvement de la danse, attention. Lac des cimes. Hop. Souffle. Souffle. Et.
Allez, on en fait encore 4. Et 3. Et 2. Allez, garde bien l'équilibre de droit. Ouh, c'est moi qui dis ça, tu vois. Change de genre, on y va. Hop. Parce que mon corps, il a envie de danser la zumba. Si tu veux tester d'ailleurs un cours de zumba sur ma plateforme, tu peux tester pendant une semaine gratuitement les cours. Strong, zumba, circuit masseur, il y a de tout. Allez, on tient, on tient, on tient. Le dernier. Génial! Allez, on boit un petit coup. On va faire une dernière série. Et puis après, bon, on aura terminé hein, parce que le temps passe vite. Ah, tu sens que tu travailles déjà là, au niveau des obliques. Ah, c'est bien. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Je vais te prévoir des exercices de zumba entre deux, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu mettras en commentaire. Allez, le début. Tu peux prendre un kettlebell de 2, 4, 6, 8 kilos, comme tu veux, ou rien du tout, une bouteille d'eau. Fléchis un peu les genoux, bassin vers l'avant, épaules vers l'arrière. Inspire, on y va. Oh, ah, ça y est. J'ai cru qu'il n'y avait plus de musique. Attends, reprends la musique. Inspire par la poitrine. Souffle. Rapproche le nombril de la colonne vertébrale. On y va. Et... on fait 8 allers-retours. Allez, c'est la troisième et dernière série. On la fait bien. Baisse les épaules. Sors les pecs. Essaye de bloquer le bassin. Je sais, c'est pas évident. Allez, on a fait la moitié. Voilà, super, encore. Ce qui serait bien, c'est que tu prennes une photo de toi de face de profil, en brassière et en short, et puis tu la masques dans ton téléphone. Et puis, 6 semaines après avoir fait du sport et un rééquilibrage alimentaire, tu compares les deux photos, avant-après. Et là, tu vas voir le résultat, c'est génial. Parce que le poids, ça veut rien dire. Hein. Parfois, ça se transforme en masse musculaire. Et puis, à la période des règles, hein, je t'en parle même pas. Alors, le poids, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, c'est les photos avant-après, ok? Ici, squat sumo, on fléchit les genoux, c'est parti. Et souffle, inspire, souffle. Allez, descends bien. Moi, j'adore ce mouvement. Je sais pas toi, mais tu me diras d'ailleurs lequel des 5 mouvements t'aimes bien. Ah, j'adore. Allez, encore 8. Et 7. Souffle. 4. 3. 2. 1. On change de côté. Et let's go, c'est parti. Et hop là. Souffle. Ah, ça donne envie d'aller au Brésil. Hop. Allez, plus que 8. Faut dire plus que. Et pas encore. Voilà. C'est motivant de dire plus que. Allez, 4. 3. 2. C'est bien. Génial. Monte les genoux. Et... alors, je sais, dans la deuxième série, il n'y avait pas le kettlebell. Bah là, j'avais envie de le garder. Alors, tu peux garder ton poids si tu veux. Et qu'est-ce qu'on avait ici? Ah oui, on avait aussi le pivoter le coude, sauf que là, on a le kettlebell. Donc, si tu as un poids, tu peux faire ce mouvement. Et si tu n'as pas de poids, main derrière la nuque et tu continues. Voilà, tu n'es pas obligé de suivre le rythme de la musique. Le principal, c'est de bien faire ton mouvement. Donc, souffler. Quand tu pivotes le coude opposé vers le genou. Ok? Petite variation. Jambes tendues. Souffle bien. 2. 3. 4. Et j'ai fait un cours de strong hier en plus. Je peux te dire que je sens bien dans mes cuisses. Allez,
que deux allers-retours. On tient bon, on tient bon. Génial. Ouh, le dernier. La danseuse. On y va. Deux. Trois. Quatre. Ça travaille bien les fessiers aussi. 3. 2. Allez, rentre bien le nombril. Quand tu montes le genou, on change de jambe. On y va. Et ouais, c'est. Je vais mettre mes mains comme ça. J'ai moins d'équilibre avec cette jambe-là. Surtout avec un poids. Je sais pas si c'était le cas pour toi aussi, mais après la grossesse, enfin après l'accouchement, j'ai eu une perte d'équilibre aussi. Que les hanches en fait avaient bougé. Bon, j'ai récupéré depuis, mais c'est pas évident après l'accouchement. On a tous des nouveaux symptômes qu'on n'avait pas avant. Mais faut apprendre à jongler avec. Et je suis là pour ça aussi, pour t'aider dans ces moments-là. Ça va? On s'arrête là? Ouais! Allez, enlève les poids. Ouh, super! Bois un petit coup. On a terminé. On va faire quelques petits étirements avant de vaquer à nos occupations de maman. Allez, inspire. Grandis-toi. Inspire. Ok, sur le côté, on étire la taille. On reste pas trop longtemps dessus. Si tu veux faire une vraie grande séance d'étirement, toujours la faire au moins une heure après avoir fait de la musculation. Ici, ce que tu peux faire, c'est tendre la jambe droite, pointe de pied vers le plafond. Donc tu sors les pecs, tu mets les mains sur le genou fléchi, ok? Tu viens chercher la cheville derrière, donc tu rapproches les genoux, tu pousses le bassin vers l'avant, tu te grandis et tu fais le contraire. Donc place l'autre jambe vers l'avant, pointe de pied vers le plafond, tu sors les pecs, mains sur le genou fléchi, inspire. Et souffle. Viens chercher la cheville. Pousse le bassin vers l'avant. Les pecs en avant. Ah, c'est toujours le même refrain. Si tu as l'habitude de suivre mes cours, c'est très facile. Ok, juste un petit dernier mouvement. Un petit dernier étirement. Voilà. Ok, génial. Ici, tu vas dérouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, l'épaule vers l'arrière. Inspire. Ok, super. N'oublie pas de télécharger ma fiche gratuite pour goûter ces merveilleux cookies à la banane, parce qu'on a le droit de se faire plaisir. On est maman, on n'a pas le temps et on ne prend pas le temps pour sa santé. Je te dis à bientôt.